Tatia bienvenue sur le cours en ligne de Nihon Lyon avec aujourd'hui un cours sur l'appartenance qui est plutôt orienté pour un niveau débutant A1. Alors pour faire l'appartenance, pour exprimer l'appartenance, on va avoir besoin d'un petit mot très 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 souvent utilisé en chinois dont le caractère est le suivant et qui se prononce de... « de » qui, je note au passage, n'a pas de ton. Alors bien sûr, quand on parle d'appartenance, on pense euh, en premier lieu à l'expression de l'appartenance avec les possessifs. Donc « mon »,« ma »,« mes »,« ton »,« ta »,« tes », etc. Donc pour faire les possessifs en chinois, et bien tout simplement, on va prendre le pronom personnel qu'on va faire suivre du euh, caractère de. Donc mon ma me va s'exprimer WAD, ton tate, need, son sac tad. Pareil pour le féminin ou le masculin, il n'y a que le caractère qui change. Notre no womend, votre vo nimand et leur tamand. Alors, ce, les pronoms personnels suivis de deux seront donc suivis de euh, l'objet possédé, qu'il soit pluriel, féminin ou masculin. En fait, la forme du possessif euh, ne, ne portera pas ni le pluriel ni le féminin. Contrairement au français, si je dis ma table, mon livre ou euh, mes frères et sœurs, le possessif change. En chinois, il ne changera pas il est invariable. Alors, voyons quelques exemples pour être sûr d'avoir bien compris tout ça. Alors, comment va-t-on exprimer mon livre en chinois Je vous laisse réfléchir. Ça va donner wǒ da chou. On retrouve bien le possessif avec le pronom personnel wǒ » suivi de de plus l'objet possédé, en l'occurrence ici chou, mon livre. Alors en traduction, en fait, en français, on ne peut pas savoir en l'état word de chou si ça désigne un livre ou plusieurs livres. Donc, je pourrais tout à fait traduire par mes livres. Alors, comment va-t-on exprimer ça, maman Ta de maman. Voilà, tout simplement. Alors ici, je ne peux pas savoir si ça si... est euh, un. Ça exprime un pronom personnel féminin ou masculin. Est-ce que c'est la maman de lui ou la maman de elle Ici, en revanche, le chinois est plus clair. Si je veux dire la maman de elle, ce sera donc ta avec le ta, la clé de la femme. Si c'est la maman de lui, ce sera ta avec le ta de la clé de l'homme. Par exemple, vos professeurs. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Ça va donner Niemand. Donc ici, c'est pareil, en traduction, je ne peux pas vraiment savoir si c'est votre professeur ou vos professeurs. Il n'y a que le contexte qui pourra m'aider. Alors, maintenant qu'on a vu l'appartenance avec les possessifs, on peut voir l'appartenance avec d'autres sujets que les pronoms, personnels sujets. On va garder la structure, donc le possesseur, plus le caractère de, plus l'objet possédé. Je mets objet entre parenthèses parce qu'en fait ça peut être aussi euh, une personne. Hein. Euh, alors reprenons notre, notre exemple initial. Mon livre. Wa, de, chou. Donc littéralement le livre de moi. Dans la deuxième phrase, on voit Mama, de, chou. Donc ce qui va donner le livre de maman. Et troisième phrase, Xiaowang, wang papa. C'est le papa de Xiaowang. Donc en fait, on peut s'appuyer un petit peu sur l'anglais, qui a un petit peu la même structure euh, que, que le chinois. Ça peut nous aider parfois pour remettre les, les mots dans le bon ordre. Mais en tout cas, on voit que euh, lorsque les possessifs, c'était facile, on avait les pronoms personnels-sujet suivis de deux. Mais bah là c'est la même chose, qu'on remplace les, les pronoms personnels sujets par tout autre sujet qui possède. Voyons quelques exemples. Son anniversaire. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc, ça va donner. Continuons. L'anniversaire de ma sœur. Un petit peu plus compliqué, puisqu'on a un possessif, plus encore, il va falloir qu'on arrive à lier sœur et anniversaire ça va donner. Et on va mettre ça dans une phrase complète. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc ça donne. Continuons avec d'autres exemples. Leur livre. Donc là, on a un pluriel en français, mais on a vu tout à l'heure qu'en chinois, on n'avait pas pouvoir exprimer le pluriel avec le possessif. tamanda chou. Je n'aime pas lire leur livre. On va mettre ça donc dans une phrase. Wo huan, kan manda chou. On continue avec d'autres exemples. Les mangas japonais. Les mangas du Japon. Autrement dit. Ça va donner... On va mettre ça dans une phrase. Les mangas japonais sont jolis. De manhua, voilà, tout simplement. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous aider de l'anglais qui peut vraiment euh, faciliter la chose. Bien, alors en bonus, on peut voir, on va voir comment interroger sur l'appartenance avec l'interrogatif Shei. Shei, S, H, E, I, en pinyin, deuxième ton, qui signifie tout simplement... Qui Donc, si je veux savoir à qui appartient ce livre, par exemple, 這是誰的書? et en réponse, on aura 這是他的書. donc là, on est encore sur cette logique de substitution de l'interrogatif et de l'élément de la réponse. La, fin, la phrase interrogative et la, fa la phrase. Affirmatives euh, sont identiques en termes d'ordre des mots, simplement l'interrogatif et l'élément de la réponse se substituent. Voilà, voilà, c'est voilà, fini pour le cours sur l'appartenance. J'espère que ça, re, ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Donc, ce cours euh, était euh, indexé sur la leçon 9 du cahier d'entraînement de chinois Nishuoya et avait pour but de donc vous aider à y voir un petit peu plus clair avec ce caractère de qui est vraiment très très utilisé en chinois. À bientôt